1, 2, 3. Je lance des tonnes comme des bouteilles à la mer houleuse. Et je ne sais pas toujours sur quelle rive douteuse. Les courants capricieux vont les faire aboutir. Qui va les rejeter à l'eau? Qui va les ouvrir sous ma fenêtre? Attiré par les odeurs de ma cuisine, voici qu'un troupeau de hyènes qui ricane s'agglutine. J'ai plein de nouveaux amis que je n'avais pas cherchés, et leur gloussement me plonge dans la perplexité. Si les chemises brunes épousent ta cause, pose-toi des questions. Je m'en pose. Voici l'interminable défilé des religions. Il dure depuis des millénaires, sans interruption. Voici l'esprit critique qui tombe dans les papes et qui fait place à des rêves remplis d'imams et de papes. Comment tirer de tout ça? Matière à plaisanterie, sans écorcher ceux qui croient en ces saintes niaiseries. Comment s'en moquer sans que ça donne des munitions à ceux qui voudraient les chasser à coups de bâton? Si les fachos partagent tes posts, pose-toi des questions. Je m'en pose. C'est plus fort que moi. J'aime planter ma tente au milieu des champs de mine et sur les pentes glissantes. Le carré de sable où je déploie mes bébelles jouxte la ligne entre l'acceptable et le nivelle. Mais on s'est empourri de chariots et de chartes. Ça se corse pour les fabricants de farces. Mon général, au vu de la situation, nos troupes doivent-elles encore tenir leur position? Quand les SS rident tes jokes, pose-toi des questions. Je m'en pose. Je m'en pose. Ouais. Si les rednecks savourent ta prose, pose-toi des questions. Je m'en pose.